Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui êtes à Kolwezi, vous qui êtes à Lubumbashi et qui nous suivez religieusement, nous vous disons merci. Le primat de l'être, un sujet philosophique, mais qui est sous forme de conseil aujourd'hui, il nous a été proposé par M. l'abbé José Poundou, qui a lu un livre qu'il a vraiment intéressé et il nous donne ce sujet sous forme de conseil. Monsieur l'abbé José Poundou, bonsoir. Bonsoir. Bonjour aussi. Bonjour. Monsieur Modeste Bonigava, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibaldi. Je l'ai dit un peu en liminaire, il vous a marqué ce livre de ce philosophe américain qui se trouve sur notre table d'ailleurs. Expliquez-nous tout. Il s'agit d'un psychologue humaniste. On peut dire un psychologue humaniste, un psychanalyste humaniste américain, Eric Fromm, qui a écrit un livre qui s'intitule « Avoir ou être » et sous-titre « Un choix dont dépend l'avenir de l'homme ». Extraordinaire. Et dans ce livre, la thèse qu'il défend, c'est que nous sommes dans une société qui est caractérisée par le primat de l'avoir. Et ce primat de l'avoir, le choix que les hommes ont fait depuis des lustres de mettre l'avoir au-dessus de l'être, est à l'origine de tout ce que nous connaissons comme déboire et comme désastre. Comme, je dirais, misère de l'homme, de la société et du monde. Et alors, il pose comme principe, il dit, eh bien, aujourd'hui, l'homme doit choisir entre l'avoir ou l'être. Et c'est ce choix-là qui va déterminer. En fait, il doit prioriser. Prioriser, voilà, prioriser. Le choix n'est pas en termes d'exclusion. On peut croire peut-être qu'il exclurait l'avoir. Non, il veut tout simplement mettre l'avoir à sa place. Et la place de l'avoir, c'est la place de moyen au service de l'être. Et l'être, c'est l'homme. L'être, c'est en fait les valeurs. D'accord, humaniste. D'accord. Modeste Bonigaba, vous qui vivez avec nous ici à Kinshasa, nous qui vivons à Kinshasa, qu'est-ce que nous avons constaté? Que nous choisissons, enfin le Congolais choisit d'abord l'avoir et l'être après, non? Tout à fait. Donc, pour nous, l'avoir prime sur tout. On estime que on évalue la personne par rapport à ce qu'il a comme bien. Si, d'ailleurs, c'est des questions qui tombent comme ça, mais lui, qu'est-ce qu'il a? On dit donc, qu'est-ce qu'il a? Il n'a même pas de maison. Voilà. Si tu n'as pas de maison, tu n'as même pas droit à la parole devant d'autres personnes. Vous vous rendez compte? Donc, c'est devenu tellement fort que c'est en fait, on pousse les gens à tout faire pour qu'il ait au moins une maison. S'il faut voler, qu'il ne se gêne pas, il faut qu'il vole pour avoir une maison. Mais vous imaginez ce que ça implique comme dérive pour une société? Les jeunes garçons qui doivent se marier, on va d'abord regarder ce que son père... Ça fait... Vous voyez, donc c'est vraiment... Tout est aligné, tout est soumis à cet avoir-là. Si vous n'avez pas d'avoir, vous n'avez pas de valeur. Vous savez, hier, j'étais à l'hôtel Kempinski avec un intellectuel sénégalais de haut vol. Et on était à l'entrée et on voyait comment les personnes qui sortaient de leur jeep imposante
faisait leur entrée, l'hôtel Kempinski et tout ça. Vous lisez sur leur visage l'avoir. Et ils veulent le faire sentir. Alors mon ami me dit, mais tu sais, je suis impressionné par le comportement des en haut, d'en haut, ici chez vous en République démocratique du Congo. On veut faire savoir à tous ceux qui sont alentour qu'on est bien, qu'on possède. Alors que, généralement, des gens comme ça, la tête est pas vide, elle est vide. Enfin, c'était son constat. Tout de suite, vous sortez de votre voiture, il n'y a que vous qui comptez, vous êtes le plus beau de la terre parce que vous avez. Monsieur l'abbé, merci d'avoir choisi ce sujet. En fait, c'est pour quand même que nous puissions faire l'autopsie de notre société, que nous puissions placer l'avoir là où il doit être et l'être là où il doit être. Parce que quand vous affichez un comportement comme ça, tous ceux qui sont autour de vous, pour vous, ils n'existent pas. Or, ce sont des êtres comme vous, ce sont vos compatriotes de chair et de sang comme vous, qui sont nés un jour et qui mourront un jour. Monsieur l'abbé, allez-y, dans cette profondeur de la pensée de cet auteur. Éric Fromm, pour nous dire quelle est notre place. Homme, fils de Dieu ou d'Allah. Eh bien, je crois que ce qui est important dans le développement que Éric Fromm fait de sa thèse, en fait, c'est une thèse qu'il développe, la thèse qui veut dire, eh bien, le meilleur choix que l'homme est appelé à faire, c'est le choix de l'être. Et ce choix de l'être, en fait, c'est le choix de l'amour. C'est à cela qu'il veut amener le lecteur. L'amour du prochain. Hein, L'amour de soi-même d'abord, l'amour de l'autre, et pourquoi pas l'amour de Dieu. L'amour de la nature, oui. De la nature, hein, vous voyez. Et donc, le mode, il distingue deux modes de vie. Il y a le mode de vie fondé sur le primat de l'avoir, l'acquisivité, acquérir, hein, posséder des biens, n'est-ce pas, qui peut nous amener à une vie de cupidité égoïste qui peut justifier toutes les guerres, parce que pour avoir, on est prêt non seulement à voler, mais on est prêt aussi à tuer. Aujourd'hui, si nous pouvons mener une réflexion en profondeur sur la guerre dans notre pays, la guerre dans notre continent africain, toutes ces guerres auxquelles nous sommes soumis, n'est-ce pas? Des guerres par procuration. Mais toutes ces guerres ont un dénominateur commun. C'est l'économique. C'est l'avoir. C'est l'argent. Ce sont les ressources naturelles. Les biens matériels, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si nous voulons décrire la guerre que nous subissons, n'est-ce pas, dans notre pays depuis des décennies maintenant, mais c'est la guerre du coltan, c'est la guerre du cobalt. On parle même aujourd'hui de la guerre de l'eau. Relisez le livre de Modeste Moutinga, la guerre de l'eau est à notre porte, n'est-ce pas. On parle de cette eau du Congo que l'on veut prendre, la prédation va jusque là, prendre pour amener cela là où ils ont des problèmes d'eau, mais alors c'est sans compter les dégâts que ça peut entraîner dans l'écosystème de notre pays. Mm-hmm. Oui. Et donc aujourd'hui, je crois que la pensée d'Éric Fromm, son analyse de la situation du monde, n'est-ce pas, pas seulement du Congo, mais du monde, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, n'est-ce pas, nous montre que l'homme, depuis
quelques siècles, je dirais depuis des siècles, a fait le choix de l'avoir. Et au nom de l'avoir, on est prêt à tuer l'être humain. Très bien. Au nom de l'avoir, on est prêt à déconsidérer l'être humain. Et l'avoir prend le dessus et l'être humain est au service de l'avoir. D'accord. Il n'existe plus que comme chose. D'accord. Modeste. Oui, cette course à l'avoir est allée tellement loin que même les études, nous étudions non pas pour devenir personnes qui réfléchissent et qui peuvent bien dans notre peau, oui, qui peuvent rendre service à leur société par leur savoir, mais on étudie pour avoir un diplôme et trouver un emploi, écraser les autres, oui, pour acquérir des biens, etc. Et on va jusque à chercher le diplôme pour le diplôme. Donc ce n'est plus tellement le savoir qui vous guide. Vous êtes à la recherche du diplôme, quel que soit son contenu, pourvu qu'il vous permette, parce que vous avez un oncle qui peut vous recommander, vous êtes rapidement dans les circuits de haut niveau, et vous avez la possibilité d'acquérir des biens matériels. Donc, l'être est complètement éclipsé au profit de l'avoir et du paraître. Parce que le paraître, c'est un peu ce que vous décriviez tout à l'heure, il est, quand il descend de sa limousine, c'est à peine qu'il touche le sol, donc lui, il plane en fait. Oui, tout à fait. Et vous savez, quand vous observez, ça peut être à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi ou partout où vous nous suivez, les gens dans la rue, dans les rues, ils se promènent le visage renfrogné. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils, ou ils se sentent brimés, ou ils se sentent déshumanisés, alors qu'il faudrait peut-être un petit rien, échanger un petit sourire. Vous êtes dans une belle voiture. Vous voulez passer de l'autre côté. Vous faites un signe. On vous laisse passer. Il vous suffit d'un petit signe pour dire merci à celui qui vous a donné l'occasion de traverser la rue. Des petits gestes comme ça pour dire à l'autre, je vous ai compris mon frère. Vous êtes un homme comme moi. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous pouvez donner à cette personne qui se dit, tiens, ce monsieur en grosse Mercedes, en grosse limousine, a démontré que j'étais un homme. Cet échange de bons procédés, de sourire, c'est ça la communauté. Parce que les gens que nous rencontrons, que nous croisons, qui sont visages renfrognés, mais c'est dangereux, ils vont vers la mort, ils sont distraits par ce qu'ils cherchent. Et formons cette communauté nationale et il n'y aura plus de guerre. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Absolument. Et je reviens un peu sur ce dilemme devant lequel nous place Eric Fromm, psychanalyste, mais en même temps philosophe, comme tu as dit, c'est un philosophe et écrivain, n'est-ce pas? Et il nous met devant un dilemme, avoir ou être. Un dilemme qui remonte, disons, à des temps reculés de l'histoire. N'est-ce pas? Et ce dilemme n'est pas donc nouveau. Mais tout ce qu'il veut nous montrer, c'est que entre ces deux modes d'existence, le mode avoir, le mode être, eh bien, nous constatons que dans notre pays, et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, les hommes ont fait le choix de l'avoir. En priorité. Et donc, on se concentre sur quoi? Sur l'acquisivité. Donc, le fait d'acquérir. Acquérir encore. Amasser toujours et amasser. Acquérir, n'est-ce pas? La puissance matérielle.
la puissance matérielle. Ça entraîne aussi l'agressivité, d'où les guerres, d'où les massacres, n'est-ce pas? Vous savez, tout à l'heure, en venant à l'émission, je pose la question à mon conducteur, le motard qui me conduisait. J'ai dit, il me dit, ah, moi, je voudrais seulement être un homme. Alors, je lui pose la question, ah bon, pour toi, cause à la moto. C'est ce qu'il a dit, mais il n'a pas la moto. Je dis, mais pour toi, être un homme, c'est quoi? C'est quoi? Ah, mais papa, mais bon, catch, et ça combien? Écoute, à combien? Alors, lui-même, il répond, 2000. Bon, mais... En dehors, il y a Ketch. Ndaku. Nazan, Ndaku. Nzambi, Oyo, Azumu, Ndinazo, Bunda, Nan Moussolo, Akuko Salati, Nazwa, Ndaku. Papa, Souki, Leloyo, Nazu, Ndaku, na Balabala, Mounene, Natongi, trois étages, Lokola, Oyo, Tozo, Leka, Awa, Natongi, trois étages, mais Nabiki, Naofanda, Kimia, Nazana, Nyoso. La voix. La voix. Donc, pour lui, être homme, c'est se définir par la possession d'une maison, d'un véhicule et de l'argent. Mais monsieur l'abbé, et de tas d'autres biens. Mais monsieur l'abbé, oui. Ça n'a pas complètement tort. Il faut avoir un minimum. Oui, c'est évident. Je lui ai dit, il m'a demandé, papa, et ça bon, oui. Et ça, bon, il faut que vous allez en d'accord, il faut que vous allez en moyen. Hein, et il l'a même ajouté, je n'en veux pas trop, je n'en veux pas beaucoup, moi. Ah oui, mais il fallait lui dire, vous avez déjà la moto. Je ne veux pas beaucoup, hein, mais tout ce que je veux, c'est un minimum. Et il a raison de dire ça. Mais néanmoins, le problème que pose Eric Fromm, c'est le fait qu'on met au-dessus de l'homme ce primat de l'avoir. Et l'avoir devient comme la priorité, comme ce qui vient en premier. Comme Dieu, finalement. Comme Dieu. Et fin et finalitaire, l'homme disparaît. L'homme disparaît. Au profit de l'avoir. Complètement. L'homme disparaît, n'est-ce pas? Et on mesure la valeur de l'homme par ce qu'il a et pas par ce qu'il est. Par ce qu'il possède comme bien matériel et pas par ce qu'il a comme qualité, comme valeur auquel il croit. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que pour notre auteur, Eric Fromm, et je recommande vivement ce livre à tous nos compatriotes, n'est-ce pas? Pour Eric Fromm, il dit, le seul sauverait l'homme et l'humanité, le mode de l'être, fondé sur l'amour, l'accomplissement spirituel, le plaisir de partager des activités significatives et fécondes, voilà ce qui sauverait l'homme et l'humanité. Et je crois que pour notre pays, au moment où nous parlons, ce choix est déterminant. Tout à fait. C'est pour cela que, par exemple, pour parler de ce qui se passe à l'Est, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vont d'un coin à un autre, quand vous les regardez en tant qu'êtres vivants, c'est seulement à ce moment-là que vous comprendrez la souffrance ou les souffrances qu'ils endurent. Parce que, par devers eux, ils n'ont rien. Quand vous regardez le visage de ces enfants qui se demandent ce qui leur arrive, c'est à ce moment-là que vous comprenez les raisons pour lesquelles ces guerres doivent se terminer. Ce sont des hommes. Ils ont un cœur. Ils ont le sang qui dans leurs veines. Alors à ce moment-là, vous dites, j'aurais pu être à leur place. Et vous les aimez. Et vous leur souhaitez de s'en sortir. Vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour les aider à s'en sortir. C'est à ce moment-là qu'on est citoyen du Congo, ou si pas citoyen, du monde. Bonne idée. Parce que cette course effrénée vers
l'argent. Et souvent, c'est l'argent facile. Oui. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'argent, il faut l'avoir, parce que c'est un moyen qui vous permet de réaliser un certain nombre de choses. Mais lorsque vous en faites un maître, le Dieu, à ce moment-là, évidemment, d'abord, la course vers cette accumulation rapide vous fait oublier, vous, gouvernant, parce que même vous, le gouvernant, vous êtes embarqué dans cette vague-là de recherche d'accumulation, etc., au point d'oublier votre mission. Parce que le gouvernant, lui, il a la mission de servir. Or, lorsque ce culte de l'avoir finit par nous faire oublier que il faut organiser la société pour que tout le monde puisse accéder à l'avoir parce qu'il travaille, parce qu'il faut qu'il puisse satisfaire les besoins des premières nécessités, cette course effrénée fait oublier à ceux qui ont la responsabilité. Le sens du partage. De partager, de faire en sorte que chaque homme, justement pour sa dignité, puisse jouir d'un certain nombre de biens tout à fait élémentaires. On en arrive jusqu'à oublier cela. C'est pour cela que nous devons considérer que ce rappel de M. Eric Fromm est tombé à point nommé, parce que surtout nous ici qui sommes en train de nous battre pour que la société soit plus juste, qu'elle soit plus équitable, c'est comme un rappel pour nous dire, ne jamais oublier que le paraître, parce que le paraître, c'est justement cela qui nous empoisonne la vie, ne doit pas passer avant l'être. Il faut toujours montrer que l'homme, c'est d'abord son être. C'est d'abord la vie. C'est d'abord la vie. La vie elle-même. Yo bazui yo batindi yo kende ko boma bato kona o batropesa yo moi eteni anini. Mais est-ce que moto yo azako yebi kutuna yo azako yebi sa yo makambo ya ndenge wana. Est-ce que moni yo ke oza moto? Abi kende kaka obomi kaka soki obomi ozongi bapesio 2000 dollars. Mais mutuana moni yo ke oza moto te, a moni yo ke oza nyama. Parce que vie wana nzambe a pesaka moto. Yo kende ko supprimer yango po ba pesa yo e lokolia. Na linga kina loba maka mususu mais e, ba moni yo lokola zoba. Et puis après ba koboma yo parce que oza moto te, baza considérer ke oza moto te. Na makambo eza ko leka pa na biso wana. Kaka ndeko na yo dikende ko sala boye. Mi po na nini yo ke ko sala boye te utini ngai. Ngai pe nazali moto yo zambe akela. Vraiment, c'est très important. L'être, la vie, la signification de la vie. Non. Il faut magnifier la vie. Et quand on magnifie la vie, on a le sens du partage. On a pitié de l'autre qui souffre. On est homme, tout simplement. Monsieur l'abbé. Un peu plus loin dans notre réflexion en profondeur, n'est-ce pas? En profondeur, je dirais que le choix que nous avons fait de l'avoir et qui a donné naissance au système capitaliste, libéral, et aujourd'hui on peut dire ultra-libéral, qui met au premier plan le profit matériel et le profit individuel, hein, le profit individuel. Donc égoïste, n'est-ce pas, qui met en avant-plan, je dirais, le culte de la cupidité, le culte de la cupidité qui justifie toutes les formes de prédation auxquelles nous assistons, n'est-ce pas, et qui justifie aussi la pratique de la corruption, n'est-ce pas, la corruption en ce qu'elle utilise, n'est-ce pas, l'argent pour obtenir des services qu'on pourrait, on devrait obtenir sans cela, normalement, vous voyez. Eh bien, je vais aller plus loin en disant que
La division que nous observons dans notre société congolaise, et je dirais dans le monde, elle a pour cause profonde la soif immodérée de l'avoir. Et ce chanteur-compositeur congolais d'en face, n'est-ce pas, qui a vu juste lorsqu'il a dit « Makamomi balé boma mokili mobimba »« Libosonde likamboya falanga » l'argent. L'argent. Deux personnes qui s'entendent... Ne veux pas terminer la chanson. Oui, je ne veux pas terminer la chanson. Mais ce qui vient après, eh bien, ça se ramène toujours à l'argent, finalement. Mais moi aussi, c'est l'argent. L'argent. Et il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. Mais ce que je voulais dire ici en profondeur, c'est que la division que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, la division entre nous Congolais, la division dans la classe dirigeante de notre pays, la classe politique, la division entre les dirigeants et le peuple, la division au sein du peuple lui-même, la division qui va beaucoup plus loin, qui touche l'homme, la division qui est en l'homme lui-même. Donc une division, je dirais, schizophrénique, n'est-ce pas? L'homme congolais qui devient schizophrène, divisé en lui-même, n'est-ce pas? Et c'est là où je situe la crise anthropologique qui caractérise la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une crise politique, ni économique, ni culturelle ou quoi, mais la crise que nous vivons, elle est essentiellement et avant tout une crise de l'homme, une crise anthropologique, c'est-à-dire de l'homme qui est divisé en lui-même, n'est-ce pas, et qui ne retrouve plus ses repères d'humanité, n'est-ce pas? Oui. Mais monsieur l'abbé, quand j'analyse la situation politique de notre pays depuis des lustres, quand je me rends compte que les Belges voulaient, à la racine même, donner de l'argent à Lumumba pour corrompre Lumumba, je me dis, ils ont réussi là. Parce que notre indépendance est née, c'est là qu'est née, c'est la souche. On voulait dire à Lumumba de faire ce que eux auraient bien voulu qu'ils fassent. Mais c'est grave, ils y ont réussi. Il faut résister. Il ne faut pas nous laisser aller comme ça. Et donc je crois que c'est là le combat, l'unique combat qui vaut la peine. C'est le combat de l'être. Récupérer notre être, n'est-ce pas? Récupérer notre être. J'ai souvent évoqué cet exemple que je vois, n'est-ce pas, où l'homme congolais a perdu son être, sa dignité humaine, lorsqu'il se comporte comme une chose. Il se comporte comme une chose. Il accepte, je vois les grands camions qui arrivent du Bandundu ou du Bas-Congo, avec plein de marchandises, et tu vois, au-dessus de ces marchandises, il y a des hommes et des femmes qui ont fait des centaines de kilomètres, n'est-ce pas, dans cette position où ils sont confondus avec la marchandise. Ils ont accepté de se chosifier. N'est-ce pas? Et celui qui conduit ce véhicule, il prend ces êtres humains comme des marchandises parce que ça lui rapporte quoi? De l'argent. Souvent, ce n'est pas ça. Souvent, eux-mêmes insistent. Je vais vous passer la parole. Eux-mêmes insistent. Il n'y a pas autre chose à faire. Voilà. Bon, ton mataka katosa akroboni. Voilà. Mais hier, il s'est passé un accident. Je raconte. Il s'est peut-être passé un accident avec mort d'homme. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, j'accepte de me chosifier parce que c'est le seul moyen pour moi d'arriver. Et tout ça, si nous considérons l'être, l'homme, si nous sommes jaloux de l'homme, nous trouverons des solutions pour humaniser nos rapports, pour humaniser les transports. Voilà. Boni Gaba. Oui, vous avez avec raison montré que la société congolaise d'aujourd'hui est née après le 30 juin 1960,
sur des bases malsaines. Donc, en réalité, on doit revenir à ce que Babika Kalanda disait. Il dit il faut remettre en question tout le système que nous héritons pour voir ce qui est bon, on garde, dit ça c'est pas bon, on rejette. Et construire une société nouvelle, justement, fondée sur l'être. Mais nous avons préféré la facilité. Disons, bon, on y va, c'est le mouvement. Et ceux qui ont résisté très peu à la corruption en 1960 ont été éliminés de la scène. Absolument. C'est ça qu'il faut dire. Ils ont été éliminés de la scène pour ne laisser que ceux-là qui avaient accepté de jouer le jeu. Et donc, ce sont les héritiers de ceux-là qui ont continué. Nous ne sommes pas sortis de ce système-là. Et donc, c'est un travail de remise en cause, de remise en question qui doit être fait. Inévitablement, on ne pourra pas faire l'économie de cette remise en question. Tant que nous allons continuer à considérer ça comme un problème déjà réglé ou qui sera réglé plus tard, eh bien, nous n'en sortirons pas. La remise à l'honneur de l'être comme primat ne peut pas se faire comme ça parce qu'on l'a dit à l'occasion d'une émission. C'est important de le montrer, mais de en même temps dire le changement de l'homme, parce que même le président de la République a estimé que c'est la chose la plus importante. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête en si bon chemin en disant « Bon, on a déjà dit, donc c'est bon. » Non, il faut se demander comment on fait pour qu'effectivement cet homme-là change. Si on ne se pose pas cette question de dire « On fait comment pour que cet homme-là qui aujourd'hui donne le pouvoir, parce que c'est lui l'électeur, comment faire en sorte qu'il se rende compte que la voix qu'il a aujourd'hui, elle la brade contre une bière, contre un petit billet, contre un t-shirt. Comment faire en sorte que chaque électeur, parce que c'est lui le patron, comment faire en sorte que chaque électeur demain puisse enfin montrer qu'effectivement vous, vous n'êtes rien sans lui. C'est lui qui vous fait roi. D'ailleurs, il ne vous fait pas roi, il vous fait serviteur. Mais c'est vous qui vous transformez en roi. Parce que vous vous rendez compte que lui ne sait même pas que c'est lui qui vous a mis là. Mais comment faire en sorte que cet homme-là, qui jusqu'hier, jusqu'aujourd'hui, ne sait pas, en fait c'est ça le problème, ne sait pas que c'est lui le patron du Congo, et que c'est pour cela que ceux qui sont à l'extérieur et qui voient tout ce qu'il y a comme richesse ici, se disent, ben, comme eux ils sont distraits, ben, nous on ne va pas se faire prier, nous on y va, on se sert. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là qui viennent se servir parce que je crois qu'à leur place, on ne ferait pas autre chose. Faisons en sorte que cela cesse d'être possible. C'est ça notre travail. Rendons cela impossible pour que le monde entier se rende compte que tiens, mais là, vous croyez que c'était vraiment un libre service, on allait, on se servait. Apparemment, ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est ce travail-là qui n'a pas encore été fait. Tout à fait. Et puis, je me suis posé la question. Vous savez, moi, je suis... quand je suis venu de Lubumbashi, je suis de Saint-Jean, donc Lingwala. Bon, maintenant, on est ailleurs, Mboudi, là-bas, loin. Je ne suis plus passé par Nyangwe. Il y avait une très bonne route. Maintenant, la route est abîmée. Alors, je me demande, les routes, on pleure, les routes secondaires, les routes. Mais comment se fait-il que nos routes se détériorent aussi rapidement? Parce que justement, il y a des gens qui courent vers de l'argent au point de nous faire des routes mauvaises. Et si tout le monde continue à faire ce que nous faisons tous les jours, acceptant la corruption, eh bien, on n'avancera jamais. Cette avenue-là, aujourd'hui, est à refaire. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler à Kinshasa. Mais parce que
Bon, les routes principales, ça va encore, mais il n'y a plus de routes secondaires. Mais ces routes existaient, ces routes ont été refaites. Mais comment ont-elles été refaites? Est-ce qu'on est passé vérifier qu'elles ont été refaites selon les normes? Non. Et on se complaît dans cette misère morale. Eh bien, il faudrait que ça s'arrête. L'être, mais est-ce que nous devons vivre dans les conditions dans lesquelles nous sommes? Non. Si nous ne changeons pas, nous ne changeons pas. Évidemment, on continuera à vivre dans... Mais il faut qu'à un certain moment, on puisse dire, c'est assez maintenant, nous voulons qu'on nous traite comme des humains et dénoncer ces corruptions idiotes. Et d'ailleurs, ceux qui perçoivent cet argent, on ne sait même pas, on ne voit même pas ce qu'ils en font. Après 6 mois, 20 mois, l'argent volé, il est dilapidé, le type est revenu dans la pauvreté pour revivre dans l'environnement qu'il avait voulu, n'est-ce pas, quitter. C'est malheureux. C'est vrai, c'est l'être. L'être, l'avoir, oui, mais d'abord l'être, monsieur l'abbé. C'est important. C'est les gens qui nous suivent n'aient pas l'idée ou ne croient pas que nous minimisons l'importance de l'avoir, que nous ne donnons pas à l'avoir une place dans la vie des hommes. Ce qui est important, c'est que nous comprenions tous que l'avoir est un moyen qui doit être au service de l'être. Un moyen qui permet à l'être de s'épanouir individuellement, mais aussi collectivement, communautairement. N'est-ce pas? L'avoir doit être utilisé, d'abord, être acquis de manière honnête. Les biens mal acquis, comme on dit, ne profitent jamais. Et donc, nous devons nous battre que dans l'éducation, la formation de l'homme congolais, on fasse passer le message selon lequel l'avoir est un moyen au service de l'homme. Et ce moyen, pour qu'il ne soit pas, il ne devienne pas prioritaire, il faut gérer la manière de l'acquérir. La manière d'acquérir. C'est-à-dire, comment est-ce que j'acquiers les biens matériels? Comment est-ce que j'acquiers l'argent? On peut acquérir par le travail, on peut acquérir par des moyens honnêtes, tout comme on peut acquérir par des moyens malhonnêtes. C'est là où se pose le problème. Et la deuxième question, c'est comment utiliser l'avoir? On peut utiliser l'avoir de manière tout à fait égoïste, égocentrique, n'est-ce pas? Dans un système de cupidité et d'avarice, n'est-ce pas? Et d'égoïsme même, n'est-ce pas? Où l'homme acquiert pour enfler son être, hein, et croire que plus j'ai, plus je vaux, n'est-ce pas? Et les autres, tant pis pour eux, n'est-ce pas? Que chacun se débrouille, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que les deux questions de base pour l'avoir sont là. Comment acquérir l'avoir pour que cette acquisition soit humaine, et comment utiliser l'avoir pour que cette utilisation nous rende plus humains? Et dans ce sens-là, nos villages pourraient constituer des exemples extraordinaires. Absolument. Les villages, les jeunes gens ne les ont pas connus. Nous qui avons connu les villages, c'est vrai que tout le monde travaillait, on partageait, on faisait régner l'harmonie, on considérait l'homme pour ce qu'il est, parce que c'est une valeur. Mais la civilisation, peut-être, ou ce que nous appelons l'extérieur, a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il est peut-être temps de réfléchir au partage, à tout ce qui peut rendre la vie harmonieuse. Et ce serait pas du temps perdu. Mais pour y arriver, il faudra
nécessairement changer cet homme-là. Absolument. Donc on ne pourra pas y arriver. Je crois que cette émission n'a tourné qu'autour de... Oui, tout à fait, tout à fait. Du changement de, oui, de cet homme. Parce que manifestement, l'homme d'aujourd'hui, le Congolais qu'on voit, lui dit, bon, il faut que tu cesses de faire ce que tu fais, mais bon, on ne te demande pas de te remettre en question. Tu changes seulement ce comportement-là. On n'y arrivera pas. Parce que l'homme congolais, d'abord, il y en a beaucoup qui n'y croient plus. Ils disent, non, mais pour nous, je crois que c'est perdu. Certains vont jusqu'à dire, mais non, mais si on trouve un acheteur de ce pays, ben, qu'on le vende, comme ça, on distribue le produit de la vente, chacun... Et quand vous demandez, qu'est-ce que vous ferez du fruit, enfin, de la part que vous aurez, il vous dira, je boirai une bière et j'irai m'endormir. Mais vous vous réveillerez demain, esclave. Ah, voilà. Donc, manifestement, c'est en fait l'élite congolaise qui est interpellée. Parce que c'est l'élite qui doit éclairer, qui doit montrer comment on le fait. Mais malheureusement, cette élite-là, on la cherche. On la cherche encore. Parce que ceux qui se... On la cherche pas, elle se cache dans les grands restaurants. Cher ami, mais il faut pas la chercher. Oui, elle sort pas de... cache. Oui. De sa cachette, en fait. Il faut pas la chercher. Mais c'est terrible. C'est terrible. Oui. On va conclure. Je vous laisse d'abord le temps de faire ce que vous... Donc l'élite a vraiment du boulot sur la planche. Absolument, absolument. Je crois que nous devons... Monsieur Labbé a eu raison. Je l'ai suivi encore dernièrement dans une conférence qu'il a animée à l'occasion de la semaine, la 29e semaine des intellectuels et cadres catholiques. Ben, il prêche ça partout et tout le temps. Mais on sent qu'il faudra encore plus pour que les gens finissent par se rendre compte que sans cela, il n'y a pas de salut. Parce que finalement, c'est devenu un piège pour nous. Le fait qu'on nous montre qu'il faut tous courir vers l'avoir, accumuler, tout en sachant que, à ce jeu-là, personne ne s'y retrouve, en réalité. Parce que celui qui aura accumulé le plus possible va croire qu'il est à l'abri, bon... Quand on voit ce qui est resté de badolité là-bas, on se dit, ben, ça sert à quoi? Donc ça veut dire qu'il faut que nous arrivions à comprendre qu'effectivement, il y a un changement de paradigme à faire pour qu'effectivement l'être soit au premier rang. L'avoir, pourquoi pas, mais c'est pour aider à ce que l'être s'épanouisse et se réalise pleinement. Oui, parce que, regardez ce qui est arrivé à nos frères de Goma. Mais est-ce qu'on a besoin de demander la charité ou le... Pour... Non, ça devait être automatique parce que c'est d'abord c'est naturel, ça peut vous arriver. Et si vous étiez dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de grande mobilisation pour nous mettre... Pour nous mettre au service de dire à nos compatriotes qui sont là-bas, nous sommes avec vous, de manière tout à fait spontanée. C'est ça un être humain. Ne pas être sensible à ce qui arrive aux autres qui sont à l'Est parce qu'il y a la guerre, qui sont à Goma parce que ce qui est arrivé est dramatique. Ce n'est pas être un être humain, un enfant de Allah ou de Dieu. Et l'élite a besoin de le prêcher. C'est faux de dire ne buvez plus, non. De dire vous buvez 10 bouteilles. Aujourd'hui, ça nuit à votre santé. Arrêtez-vous à 3. Voilà une élite, comment elle peut commencer petit à petit à gommer les défauts que nous tous accumulons.
Monsieur l'abbé, sous forme de prêche, je vais vous prier de dire les derniers mots. Eh bien, le dernier mot, c'est une résolution à prendre par chacun de nous, Congolais. Et cette résolution, c'est de renoncer réellement au choix de la voie qui serait prioritaire par rapport au choix de l'être. C'est une résolution que chacun de nous doit prendre. Et cette résolution, elle va se traduire dans le mode de vie déjà dans nos familles. Parce que dans nos familles, nous constatons que c'est l'avoir qui prime. Et les relations entre l'homme et la femme, époux et épouse, eh bien, sont plus marquées par l'avoir. N'est-ce pas? Le mari vaut parce qu'il a, parce qu'il amène de l'argent. Et les enfants, parce qu'ils rapportent. Eh bien, les frères et sœurs ne se considèrent plus dans un amour fraternel gratuit, mais par l'intérêt financier, matériel. Qu'est-ce que tu me rapportes? Qu'est-ce que tu me donnes? N'est-ce pas? Eh bien, qu'on commence dans nos familles de combattre la cupidité et de combattre l'égocentrisme, l'égotisme, l'égoïsme, et aussi, quelque part, de combattre la convoitise. Parce que la soif immodérée de l'argent fait naître la convoitise, fait naître la cupidité et amène à des guerres fratricides, n'est-ce pas? À des empoisonnements, n'est-ce pas? Et à toutes sortes de destructions de l'humain. Et je crois que c'est le but, je crois, de cette émission, c'est de nous amener à prendre cette résolution clé, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays, et de dire non à la cupidité, oui à la solidarité et au partage. Non à la malhonnêteté dans l'acquisition de la voie, oui à, au travail producteur, n'est-ce pas, et oui aux moyens honnêtes d'acquérir pour partager dans un élan de solidarité. Et je crois que si nous nous engageons résolument dans cette voie, que l'on soit politicien, que l'on soit prêtre, que l'on soit député, professeur, moniteur, n'importe qui, que l'on soit le conducteur de Wewa, n'est-ce pas, le motard, n'est-ce pas, eh bien, qui que l'on soit, eh bien, si nous prenons tous cette décision de renoncer à cette cupidité, nous allons recréer la réconciliation entre nous et nous allons mettre fin à la division qui est satanique et qui n'est pas sacrée. Merci. Amen. Bon, Tony Goloba-Boye, yo au vendicat à Mikonyo, n'a aucun de Tolobi que Nyo soit les amabé, mais yo au vendi, Kaka Lobby n'a aucun de hôtel liste, n'a aucun de 5 anatel, n'a aucun de Tolobi, one is a charité. Salapé ma Kasi, Lukan Dengue. Yakozala moto par un travail honnête. Oyo basala kape ba vandika ko vanda ka ko senga ezali pe malamote. Merci d'avoir suivi ce numéro. Le prochain dans 10 jours. Au revoir.